J'y crois pas. On a enfin réussi. On a passé à travers. C'est terminé. 2020 est derrière nous. École du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'École du jeu et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est ma quatrième vidéo rétrospective de l'année dans laquelle je vais vous parler d'une tonne de choses. Alors, ça fait 4 ans que je fais ce type de vidéo, c'est toujours un plaisir pour moi. Ça fait 5 ans que la chaîne existe, la chaîne a débuté au mois d'octobre 2015. 3 mois plus tard, lorsque c'était le temps de célébrer le début de l'année, eh bien, je n'ai pas vu vraiment la pertinence et l'utilité de faire une rétrospective sur les 3 premiers mois d'existence de la chaîne. Mais pour toutes les années qui ont suivi, c'est une tradition que j'aime bien perpétrer. Alors, dans cette vidéo, je vous parlerai d'une tonne de choses, des statistiques de la chaîne, de ce qu'on vous a proposé dans l'année qui vient de se terminer, les projets à venir pour les semaines et les mois qui sont devant nous, nos souhaits pour vous également. Alors, sachez qu'en tout temps, vous pouvez utiliser la barre de défilement qui est sous la vidéo pour naviguer plus efficacement dans celle-ci. S'il y a bien une chose que l'année 2020 ne m'empêchera pas de faire, c'est bien de dire merci. Et mes premiers remerciements vont à vous, chers auditeurs, un grand merci. Merci d'être là fidèlement, merci de nous écouter, merci du temps que vous prenez pour visionner nos vidéos, nous envoyer des commentaires, les partager autour de vous. Merci pour votre passion qui est contagieuse, qui nous alimente. Merci pour les suggestions et les idées que vous nous faites parvenir. Sachez qu'il n'y a aucune suggestion qui manque la cible. Lorsque vous nous écrivez, on prend toujours en considération les idées, les suggestions que vous nous envoyez et c'est tellement apprécié. Alors merci de faire partie de l'aventure qu'est l'École du jeu. En quelque sorte, on pourrait dire même que vous faites partie de notre vie. Mes prochains remerciements vont bien évidemment à Sylvain et Vince qui ont été impliqués plus que jamais sur la chaîne durant la dernière année. Devant la crise sanitaire mondiale qui était devant tout le monde, Sylvain et Vince ont su répondre présents
pour se réinventer sur la chaîne, vous proposer des nouveaux types de contenus pour vous divertir, pour vous changer les idées aussi. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on entend parler de virus et de toutes sortes de mauvaises nouvelles. Alors, si on peut vous divertir et vous changer les idées grâce à notre chaîne, eh bien, pour nous, c'est mission accomplie. Alors, Sylvain et Vince ont su répondre présent. Merci les gars, merci pour le temps que vous mettez dans la chaîne. Merci Sylvain pour ton attitude en général. Sylvain, peut-être que vous l'avez remarqué ou non, mais Sylvain est toujours un gars enjoué. Il va voir toutes les occasions autour de lui comme des défis, des challenges. Et ça, c'est encourageant dans une équipe. Merci Vince également pour ton souci du travail d'équipe. Vince a toujours le souci de dire « Ok, là on est trop impliqués, comment on peut faire quelque chose ensemble, comment on peut se diriger dans la même direction tous les trois. » Vince a vraiment à cœur le travail d'équipe et ça c'est hautement apprécié aussi. Alors un grand merci à vous Sylvain et Vince. Je crois que vous qui écoutez cette vidéo, vous pouvez également les remercier personnellement dans la section « Commentaires ». Je veux également dire un grand merci à notre partenaire officiel, la boutique L'Imaginaire. Un grand merci à ses propriétaires, merci à ses employés. Au courant de l'année 2020, il faut dire qu'ils ont traversé la crise sanitaire comme la plupart des autres commerces et entreprises. Une situation difficile et on a su ensemble travailler main dans la main, faire des bons coups ensemble également. Je pense que ça vaut la peine de le souligner. Au mois de décembre 2020, on a également lancé notre campagne Patreon et on veut remercier grandement les 40 quelques personnes qui ont consenti à nous encourager de la sorte, à nous supporter et à nous soutenir d'une façon particulière. Si ça vous intéresse de nous encourager de façon financière, sachez que vous pouvez le faire. Le lien va se trouver dans la description de la vidéo. Vous irez faire un petit tour sur notre campagne Patreon. Vous allez remarquer qu'il y a une tonne de petits avantages pour vous remercier. Et pour terminer, en rafale, quelques remerciements. Un grand merci à ma femme Karina qui continue de m'encourager dans l'aventure qu'est l'école du jeu. Un grand merci également à Nancy, la femme de Vincent, qui a fait quelques apparitions bien appréciées au cours des derniers mois. Merci également à Naïma, qui continue de faire des apparitions dans des épisodes spéciaux avec Sylvain. Naïma, qui est toujours très intéressante et assez comique à écouter. Un grand merci également à Jean-François Gauthier, qui nous a donné un petit coup de main pour quelques animations en lien avec notre chaîne. Un grand merci à Martin Lafrenière, à David Couteau qui continue de nous impliquer dans des segments spéciaux sur leur chaîne. Un grand merci également à toutes les personnes qui ont accepté de relever le défi pour les épisodes spéciaux des stagiaires de la semaine, segment particulier que j'ai lancé au courant de l'année 2020. Et un grand, grand merci à toutes les autres personnes qui ont joué un rôle en lien avec l'école du jeu que ma piètre mémoire à ce moment-ci pourrait oublier. C'est maintenant le moment pour moi de vous parler de statistiques. Alors, j'ai sorti sur mon ordinateur qui est présentement devant moi. Alors, désolé si je vous regarde pas dans les yeux, parce que ce sont quand même de gros chiffres. Alors, j'ai sorti sur mon ordinateur devant moi quelques statistiques intéressantes au sujet des vidéos, des visionnements, des abonnés, comme je le fais habituellement dans mes coins neufs, mais qui prend en considération là, l'année 2020 de façon globale. Alors, en 2020, Vince, Sylvain et moi, nous vous avons proposé 291
vidéos. C'est 41 vidéos de plus qu'en 2019. Il faut savoir qu'en totalité sur la chaîne, il y a 1019 vidéos. Alors, presque 300 d'entre celles-ci ont été déposées en 2021. On a accueilli plutôt en 2020 environ 3600 nouveaux abonnés. Alors vraiment, encore une fois, encourageant pour nous de voir que notre chaîne continue d'intéresser des centaines de personnes. Un grand merci et un bienvenue également à tous ces nouveaux abonnés que de toute façon, j'ai probablement déjà salué dans mes Quad 9 précédents. En 2020, si on prenait tous les vidéos qui ont été visionnées, peu importe la date où ils ont été déposés sur la chaîne, ça totalise très exactement 961 583 visionnements, presque 1 million de visionnements. Et on sait qu'il y a quelques mois à peine, nous avons franchi le cap des 2 millions de visionnements. Alors on pourrait dire qu'un peu moins des visionnements qui ont été totalisés sur l'école du jeu ont été réalisés en 2020. C'est exceptionnel. Et si on prenait chacun de ces 961 583 visionnements et qu'on analysait la durée d'écoute que les gens ont passé devant leur écran à nous écouter, eh bien, ça totalise, accrochez-vous bien, 94 193 heures. C'est tellement d'heures que j'ai dû utiliser ma calculatrice pour déterminer ça représentait combien de temps en réalité. Eh bien, croyez-le ou non, c'est un peu plus de 10 ans et demi d'écoute. C'est comme si quelqu'un en 2009 avait ouvert son ordinateur, s'était assis devant son écran et avait écouté sans arrêter, sans faire la moindre pause, nos vidéos pendant 10 ans et demi. C'est exceptionnel. Une statistique intéressante que j'aime présenter à chaque fois, c'est le top 5 des vidéos les plus visionnées de 2020. Et je commence avec une mention honorable parce que vous allez voir, la plupart des vidéos dans le top 5, ce sont des vidéos qui ont été déposées au début de l'année 2020, dans les premiers mois ou même dans les années précédentes. Alors, c'est les vidéos qui ont été visionnées le plus en 2020, mais qui n'ont pas nécessairement strictement été déposées sur la chaîne en 2020, donc toute année confondue. Mais la vidéo qui se trouvait en sixième place a quelque chose de spécial parce qu'elle a été déposée il y a seulement 2 mois sur la chaîne. Il s'agit de ma vidéo top 5 des jeux qui, selon moi, sont surestimés avec ses 9412 visionnements. Alors, pour chacune des vidéos dont je vais parler dans les prochaines minutes, vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil si vous ne les avez pas visionnées et que ça vous intéresse. En cinquième place, parmi le top 5 des vidéos les plus visionnées en 2020, on retrouve le top 6. Ben oui, top 6 égale Sylvain, tout le monde le sait. Top 6 de Sylvain, des gros jeux solo avec ses 10 045 visionnements. Alors Sylvain qui vous a présenté quelques vidéos dans une série strictement sur les jeux solo. Alors en cinquième place, on a les vrais gros jeux en solo. En quatrième place, on retrouve un autre top 6 de Sylvain, encore une fois sur les jeux solo. Alors cette fois-ci, c'était la vidéo de Sylvain sur les meilleurs jeux en solitaire avec ses 12 051 visionnements. En troisième place, on retrouve ma vidéo top 10 des jeux les plus attendus de 2020 que je vous ai proposé en début d'année avec ses 14 451 visionnements. En deuxième place, une vidéo qui a été détrônée parce que l'année dernière, c'était la vidéo qui était en première place. Il s'agit de ma vidéo que j'ai fait en 2016 sur Seven Wonders avec ses 15 331 visionnements. Seven Wonders qui est un
un incontournable tout de même. Alors, ça explique ce grand nombre de visionnements, même si la vidéo a été déposée il y a 4 ans. Alors, si ça vous intéresse de voir ce à quoi je ressemblais il y a 4 ans, le lien se trouve dans la description. Et en première place, alors, quelle vidéo a pu détrôner Seven Wonders? Il s'agit de ma vidéo top 10 des meilleurs jeux de société de la décennie avec ses 38 000 quand même, c'est plus du double que la vidéo de Seven Wonders. Donc ma vidéo top 10 des meilleurs jeux de société de la décennie avec ses 38 400 visionnements. Alors si vous n'avez pas déjà regardez cette vidéo, je vais mettre le lien dans la description. Les prochaines minutes seront divisées en 3 segments et dans chacun de ces segments, eh bien Vince et Sylvain vont également faire leur apparition pour vous adresser la parole. Donc les 3 sujets pour les prochaines minutes qui seront traités, ce sera premièrement la vidéo, le contenu que nous personnellement avons préféré soit produire, soit vous présenter ou dont on est le plus fier tout simplement. Par la suite, on va vous parler de nos moments forts de l'année 2020, les moments cocasses ou les moments qui vont rester gravés dans notre mémoire pour différentes raisons. Et finalement, on va terminer avec nos souhaits personnels pour vous pour l'année 2021 qui commence aujourd'hui. Pour commencer, laissez-nous vous parler du contenu dont on est le plus fier ou on est le plus content de vous avoir proposé au courant de l'année. De mon côté, en rafale, quelques projets sur lesquels j'ai travaillé. Je suis particulièrement fier de la vidéo que je vous ai proposée sur Glenmore 2 Chronicles. C'était un format test, présentation des règles d'un jeu en moins de 5 minutes. Écoutez, il y a des heures et des heures de préparation, de montage, l'écriture d'un script également pour ceci, les prises de vue. Ça m'a pris énormément de temps. Je suis tellement content du résultat. Je n'ai pas retenté l'expérience encore une fois, mais je suis vraiment fier. Sinon, la vidéo que j'ai montée sur Gloomhaven Jaws of the Lion, qui était un format particulier encore une fois avec Vince et Sylvain qui interviennent en cours de vidéo pour faire la présentation globale du jeu. Ma participation dans les éditoriaux ludiques avec Martin Lafrenière de la zone jeu de société, je suis particulièrement fier de faire partie d'un segment exclusif avec Martin, même si le temps souvent nous manque pour qu'on fasse autant d'épisodes qu'on le souhaiterait, c'est une grande fierté pour moi. Moi, j'ai bien de la misère avec le fait de choisir une seule vidéo parce qu'il y en a beaucoup cette année qui ont été vraiment le fun à filmer, notamment ceux avec Nancy, mais aussi des jeux que ça fait longtemps que je voulais faire une critique sur ceux-ci. Puis aussi, ben, explication des règles, tant qu'à y être. Donc, j'hésite entre la première que j'ai faite avec Nancy, c'est-à-dire un top 10 de jeux à 2 joueurs. Ça a été la première fois que Nancy apparaissait devant la caméra et on a vraiment eu beaucoup de fun, tellement qu'on l'a fait à 2 reprises. Non, ça c'est plus parce qu'on a un petit peu, on a eu de la misère, mais ça a été un super beau moment et ça l'a donné aussi la piqûre à Nancy et maintenant vous la voyez à quelques moments, une fois par mois environ, depuis le début de l'année 2020 et on espère que ça puisse continuer de cette manière-là. Alors que l'autre vidéo que j'hésite, ben c'est la vidéo de mon jeu préféré, c'est-à-dire Sad Hero Confluence, qui dure longtemps mais que j'explique toutes les règles et j'ai vraiment vraiment trouvé ça le fun de faire cette vidéo parce que c'est un jeu que j'ai vraiment hâte de rejouer, mais aussi parce que c'est un must. C'est un jeu que je crois que tout le monde devrait jouer sur la planète entière pour goûter à cette expérience-là. Donc, ce sont mes 2 vidéos préférées que j'ai filmées en 2020. Si on me demandait quelle a été ma vidéo favorite à tourner de l'an 2020, je dirais que c'est pas facile parce que il y en a eu énormément que j'ai aimé faire, mais je pense que c'est les séries comme Throwback. Donc le segment Throwback est un segment où je retourne en arrière et là je revisite des jeux parce que souvent on a des jeux, c'est tout nouveau, tout beau, on a beaucoup de bien à dire, mais avec du recul, qu'est-ce qu'il y en est? Parce que certains jeux comme ça que on était très très hype sur le jeu et que finalement on décante assez vite. Donc de faire le petit travail de recherche pour retourner en arrière, regarder mes
dates d'acquisition. Ça me permet moi-même, étant un fan de statistiques, donc c'est pas du tout une tâche nécessairement que je n'aime pas faire, parce que au contraire, j'aime ça retourner en arrière, regarder un peu les titres qu'il y avait, et ça me permet de pouvoir justement voir un peu les jeux qui ont peut-être été oubliés par le temps. Même chose avec mes vidéos top 6. Encore une fois, j'aime ça le petit travail de recherche que je fais sur un sujet, je regarde des jeux, je regarde aussi les jeux que je n'ai pas joué souvent, qui vont toucher un thème, des choses comme ça, parce que ça me permet de pouvoir dire, hey, c'est vrai, j'ai pas joué à ce jeu-là, et des fois, ça me donne des bonnes idées sur des jeux que j'aurais peut-être passé à côté. Donc, juste de faire ce petit suivi-là, et là, je sais, je mets probablement beaucoup trop d'énergie dans mon petit travail de recherche avec ça, mais j'aime ça. Je compile mes statistiques, des choses comme ça, donc je peux voir c'est quand j'ai joué au jeu aussi, et ça me permet de voir c'est quand la dernière fois que j'ai joué à ces jeux-là. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a certains jeux qui sont excellents, que j'ai dans ma collection, et que j'ai pas joué depuis plusieurs années. Donc, juste ces vidéos-là, ces types de vidéos-là, ça me permet justement de revenir en arrière, de regarder un peu, prendre du recul et de voir un peu la multitude de jeux, mais surtout de vous faire découvrir une tonne de jeux différents, parce que c'est ce qu'on veut à l'école du jeu, justement, partager notre passion et les jeux qu'on a joués pour justement peut-être vous donner des bonnes idées. Et maintenant, on vous parle de nos moments forts pour l'année 2020. De mon côté, travailler sur une vidéo en compagnie de ma fille Mathilde, ça a vraiment été un moment exceptionnel. C'était la présentation de Katamino Gang ta maman. Même si le jeu ne vous intéresse pas du tout, c'est une vidéo qui mérite d'être vue. C'est tellement, tellement naturel. Et c'est tellement drôle en même temps. Sinon, c'est sûr de recevoir des copies prototypes de la part de Mindclash Games et de Chip Theory Games. Ça a été deux moments très forts et mémorables avec les copies prototypes de Perseverance et de l'extension Enkar's Plunder pour Cloud Spire. Mais également, la mise en place de deux séries de vidéos dont je suis fier, donc j'aurais pu en parler peut-être dans l'autre segment, mais c'est des moments forts pour moi aussi, c'est quand même assez inoubliable. Ça a été la série des stagiaires de la semaine, de voir que plusieurs personnes ont décidé d'y prendre part, mais aussi le plaisir que j'ai ressenti à mettre de l'avant plus d'une quinzaine de créateurs de contenus différents en lien avec le jeu de société pour faire découvrir leur plateforme. Ça a été vraiment un moment fort pour moi. Puis aussi, ma série Il ne doit en rester qu'un, où je passais en revue chacun des compartiments de la Calax, de mes Calax plutôt, pour déterminer lequel des jeux est-ce que je désirais conserver si ça impliquait de me débarrasser des autres. Un segment qui fait mal au cœur, qui n'est pas encore terminé. Alors, je vais terminer ce segment en 2021, soyez-en assurés. Il y a eu beaucoup de moments forts dans ma vie personnelle. En 2020, malgré la situation pandémique qui englobe le globe terrestre, mais je dirais qu'un de mes moments vraiment forts, ça a été la naissance de ma fille. Et là, j'entends déjà dire du monde, oh, « mais on veut que tu parles seulement de jeux de société, alors qu'est-ce que ça a été au niveau du jeu de société? » Et là, c'est tellement une bonne question parce que j'ai tellement joué à de bons jeux avec plein de gens. Et je pense que je vais le faire vraiment at large, c'est-à-dire à chaque fois que j'ai eu l'opportunité de jouer à des jeux que je n'avais pas joué et que je pouvais le faire avec des gens que j'appréciais. Autant dans ma maison qu'à l'extérieur. Donc, j'ai pu découvrir des auteurs extraordinaires comme Cold Worley ou encore les auteurs qui sont derrière la série des jeux Coin. Puis encore, je pourrais parler de Phil et Clown. Enfin, bref, il y a comme plein de moments dans mon année 2020 au niveau du jeu qui ont été sublimes. Et on dirait que le fait que présentement, on est en confinement, ça fait en sorte que je les chéris encore plus, ces petits moments précieux-là. Donc, ça a vraiment été les moments, grosso modo, que j'ai passé avec des gens qui m'ont fait découvrir des nouveaux jeux, mais aussi qui ont voulu se prêter au jeu pour essayer des nouvelles bibittes que je voulais leur montrer. Mon moment fort de 2020. Alors, 2020 a été une année difficile pour tout le monde. On s'entend, que ce soit au niveau personnel, professionnel, je sais que ça a été une année très éprouvante sur beaucoup, beaucoup de points. Et je pense qu'on est tous dans le même bateau pour se dire que 2020 a pas été une année super. Je dirais que il n'y a pas eu de points vraiment forts. Habituellement, c'est une convention, des choses comme ça, des moments forts côté ludique. Mais si j'aurais à choisir une chose, je pense que ce serait l'éveil ludique de mes enfants. Alors, ma fille a 8 ans, mais elle joue avec moi depuis déjà plusieurs années. Bon, vous l'avez vu quelques fois sur la chaîne, mais même depuis qu'on est jeune, et depuis qu'elle est jeune, elle aimait ça jouer à des jeux. Mais je dirais que on était souvent dans ces petites bottines confortables, les petits jeux qu'elle aimait, des jeux souvent familiaux, des jeux plus légers, puis c'est correct comme ça parce que papa aime beaucoup les jeux, hein, donc je veux pas la tanner non plus avec ça. Donc, elle aimait ça jouer, mais ça allait par vagues. De temps en
en temps, elle aimait se jouer, elle voulait revenir à des jeux d'avant. J'ai aucun problème avec ça. Mais là, dernièrement, cette année, elle a monté son jeu d'un cran un petit peu. Et là, on a joué à des jeux qui, habituellement, je m'étais dit, ah, ben, peut-être pas tout de suite. Mais elle a décidé, son intérêt vers le jeu de société a augmenté. Puis pour ça, moi, je suis très reconnaissant parce que ma femme, elle joue pas vraiment à des jeux de société. On n'est pas sur les mêmes horaires de travail non plus. Donc, je dirais que avec cette année qu'on n'a pas vraiment pu voir nos amis, ça a été un peu plus difficile. Donc, j'ai quand même réussi à jouer en ligne. J'ai eu quelques petites occasions de jouer comme ça, mais souvent mes enfants ont été une bonne source de pouvoir jouer à des jeux. Et là, ma fille a décidé de monter son cran justement parce qu'elle a commencé à aimer les jeux un peu plus longs. Donc, pas nécessairement des gros jeux, parce qu'avant, elle aimait ça des petits jeux qui duraient 15-20 minutes. Mais là, je suis capable de pouvoir jouer des jeux à 45 minutes et elle a un intérêt grandi envers le jeu de société. Donc, juste pour ça, moi, je peux continuer à nourrir ça. Je trouve ça vraiment agréable de pouvoir partager ça avec elle. Il y a aussi mon garçon qui a 6 ans, que lui, il tient pas vraiment en place. Il aimait pas vraiment ça, ça sert pour un jeu de société. Et là, cette année, on a commencé à jouer un petit peu plus des jeux coopératifs. Donc, quand il joue avec sa grande sœur, il aime beaucoup ça. On a joué à Zombie Kids. On a vraiment aimé ça. Et je pense que c'est mon point fort de l'année. Le fait que je peux partager un peu ma passion avec mes enfants et aussi pouvoir jouer à des jeux qui sont un petit cran plus intéressants. Juste pour ça, ça a pas de prix. Et c'est un de mes moments forts de 2020. Et on termine finalement avec nos souhaits pour vous pour l'année 2021. Écoutez, si vous avez écouté ma vidéo rétrospective l'année dernière, quand je vous ai formulé mes souhaits pour l'année 2020, j'avais aucune idée de ce que l'année allait nous réserver. Mais j'espère vraiment, et ça c'est mon plus grand souhait, j'espère que si vous avez vécu une année 2020 difficile, pénible, triste, longue, sombre, j'espère du plus profond de mon cœur que 2021 sera beaucoup, beaucoup mieux pour vous. L'année 2020, j'ai l'impression, a beaucoup divisé les gens dans leur façon de penser, de croire différentes choses. Et ça me déchire littéralement de voir l'humain se monter l'un contre l'autre. J'espère que 2021 va nous permettre de nous réconcilier. Je pense profondément que le jeu de société a ce mandat-là de mettre des humains autour d'une table, d'oublier toutes les croyances politiques et tout ça, tous nos avis sur différents sujets et de vivre un moment ensemble. Mon souhait pour 2021, c'est que en société, en tant qu'humain, on puisse revenir unis ensemble comme on devrait l'être. Ah oui, c'est vrai, je sais que les jeux solo, c'est vraiment super, mais en 2021, je vous souhaite vraiment de jouer avec des vrais humains. Alors, mes souhaits pour 2021, j'aimerais ça que l'on puisse continuer à être ben non, c'est pas vrai. Non, blague à part, j'aurais envie, moi, premièrement, qu'on puisse se retrouver à nouveau autour d'une table, tous ensemble, et ben pourquoi pas aussi être capable de pouvoir aller au Gen Con cette année avec les deux autres comparses de l'école du jeu, soit JP et Sylvain, et puis qu'on puisse faire plein de vidéos là-bas, que ça puisse être super enivrant et vraiment, vraiment agréable, somme toute, l'expérience du Gen Con 2021. Puis en même temps, pourquoi pas être capable de rentrer en contact avec différentes personnes du milieu à l'extérieur de l'Amérique du Nord, hein, des gens en Europe, des gens en Asie, etc., etc. Donc être capable de créer des liens avec des gens du monde du jeu de société, mais aussi le public en général, pour qu'une fois qu'on aille en Europe, ce soit le gros party, puis qu'on ait du fun, puis qu'on puisse être accueilli en grand, puis que nous, on puisse s'en venir en grand, qu'on puisse boire du vin, manger du fromage, manger du pain, bref, célébrer cette nouvelle arrivée de l'école du jeu en Europe ou en Asie, peu importe. Bref, à l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce serait donc ben malade. Ah, les souhaits de l'année. C'est difficile de pas tomber dans le réchauffé parce qu'on finit toujours par répéter les mêmes choses. Et c'est correct comme ça. On souhaite la santé, on souhaite le bonheur. Bon, c'est certain que cette année, la santé est vraiment un gros plus avec l'année éprouvante qu'on a eue. Donc, je pense que je vais essayer de prendre le temps de pouvoir vous souhaiter à vous et votre famille un beau temps des fêtes, mais aussi de pouvoir enfin mettre 2020 de côté, regarder vers l'avant, regarder 2021 en se disant, c'est une nouvelle année avec un paquet
paquet d'espoir, on s'entend présentement, malgré que ça a été difficile. On commence à avoir un petit côté d'espoir et pour ça, c'est très agréable. Donc, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. J'espère que vous allez pouvoir éventuellement retrouver vos camarades de groupe, donc les gens avec qui vous jouez, qu'on puisse retourner en convention ludique, parce que je pense que c'est ça qui est magnifique dans notre hobby, c'est de pouvoir le partager avec d'autres gens qui ont la même passion que nous, que ce soit autour d'une table chez nous ou dans une convention avec des gens qu'on connaît pas. Je pense que notre hobby est très rassembleur et je trouve ça très très important de pouvoir continuer à nous rassembler autour de notre hobby, parce que oui, cette année, ça a été très difficile. D'un autre côté, je pense qu'un petit côté positif, on a commencé à avoir notre hobby un peu plus de visibilité. Je pense que les jeux de société ont eu un peu plus la cote cette année. Les gens étant pris chez eux, ils regardaient qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Et il y a certaines personnes qui ont découvert le jeu de société. Donc, si ce n'est que pour ça, je pense que 2020, c'est une petite lueur qu'on avait avec ça. Et on espère que 2021 va être une super année. Et à tout point de vue. Donc, je vous souhaite le bonheur, je vous souhaite la santé, je vous souhaite surtout d'être heureux et de faire de belles découvertes ludiques. Évidemment, 2021 va être une année où est-ce qu'on pourra certainement mettre en place une tonne de nouveaux projets sur la chaîne. Pour nous, le début d'année, c'est un moment d'effervescence, d'ébullition, où on essaie de prévoir pour les premiers mois de l'année quels seront nos projets. Et une chose que nos patrons, nos contributeurs sur Patreon ont débloqué grâce à leur participation, c'est nos trois, oui j'ai bien dit, trois top 100 des meilleurs jeux sur la planète. Alors dès le début de l'année 2021, c'est un contenu que vous allez commencer à voir circuler sur la chaîne, le top 100 des meilleurs jeux de Sylvain, de Vince et de moi. Sinon également, pour commencer l'année 2021, on veut faire des cadeaux. Alors j'ai ici quelques cadeaux, j'en ai 5 dans les mains des différents jeux qui seront envoyés. Certains qui sont réservés à nos contributeurs sur Patreon, d'autres qui seront envoyés littéralement à des abonnés, des gens qui aiment nous suivre. Suivez notre page Facebook pour avoir peut-être voir circuler des informations sur des concours. Là, j'en ai 5 ici, mais il y a 40 jeux également à faire tirer et à donner qui sont en attente, que je n'ai pas sous la main à vous montrer. Alors, on veut vous gâter, c'est sûr, pour le début de l'année 2021. Alors voilà pour ce qui était de cette vidéo rétrospective de l'année 2020. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos souhaits, vos retours sur cette vidéo dans la section appropriée. Laissez-nous un pouce vers le haut. Si vous avez à cœur de nous encourager, de nous soutenir d'une façon particulière, sachez que vous pouvez visiter notre campagne Patreon. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et si ce qu'on a à dire vous intéresse. Et moi, je vous dis merci, un grand merci pour votre écoute et à la prochaine. Si j'aurais juste une chose à dire sur 2020, pardonnez mon langage, mais c'est F*** you 2020. Bye bye 2020, je peux maintenant retourner à mes anciennes habitudes. Cher 2020, maintenant que tu es terminé, je peux enfin te souhaiter du plus profond de mon cœur. Mange donc de la marde.